Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait
et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Notre Père et notre Dieu, c'est ce que nous désirons, t'entendre nous parler, t'entendre nous transporter, Seigneur. Tu l'as fait encore ce soir au travers des chants et des cantiques, mon Père. Nos cœurs ont été vraiment transportés. Nous nous réjouissons vraiment de cette grâce que tu nous as donnée, Père Tibisson, pour les dons que tu as vraiment versés parmi nous encore, mon bien-aimé Père Saint. Père, sois béni, sois glorifié. Reçois donc nos remerciements et notre reconnaissance davantage, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement le Dieu qui soutient nos cœurs et nos âmes, qui nous transporte encore dans les hauteurs, Père Tibisson, pour que nous puissions réaliser que tu es toujours le tout présent, mon sauveur. Merci, parce que tu es vraiment merveilleux, Père. Merci pour mon frère, merci encore pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos précieux frères et soeurs qui sont connectés aussi dans différents endroits, différents pays, mon bien-aimé Père Dieu, qui soit vraiment béni, Père. Tu nous as donné encore un jour aujourd'hui, c'est un jour de grâce où nous avons le privilège de venir encore dans ta maison, Seigneur, pour te déposer encore nos fardeaux, afin qu'en sortant cet endroit, nos cœurs soient vraiment libres, Père. Nous voulons que tu nous tailles, mon bien-aimé Seigneur, nous voulons que tu nous corriges, mon nous voulons que tu nous montres de quelle manière nous devons avancer les pas, mon bien-aimé Père. Nous voulons pas nous conduire, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous voulons que toi, tu nous conduises. Parce que tu as dit que tu es le chemin, amen, la vérité et aussi la vie. Nous t'avons chanté avec allégresse, mon roi. Puisses-tu encore nous aider encore parce que nous savons qu'auprès de toi, amen, se trouve la joie, amen, le bonheur, le pardon, la miséricorde, Père Tibissant, la compassion. Tu es vraiment un Dieu miséricordieux, compatissant. Amen. Merci encore pour ta grandeur encore ce soir. Pour chaque antique qui est monté, bien-aimé Père Tibissant, pour chaque cœur qui s'est encore réjoui devant toi, Père, qui a bénéficié aussi de ton pardon, de tes compassions, de ton secours, mon bien-aimé Père Tibissant, et aussi nos corps que tu as aussi restauré. Amen. Nous te disons merci, Père. Maintenant, on prend le contrôle encore davantage sur nos cœurs, nos âmes, parce que nous voulons t'entendre nous parler, amen, nous conduire encore davantage. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, amen, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu pour ce jour qu'il nous accorde, amen, et aussi pour l'allégresse dans nos cœurs qu'il a pu déverser. Si lui n'était pas là, nous serions toujours des hommes malheureux parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, tout ce que nous regardons nous montre toujours qu'effectivement les souffrances, les douleurs, de ceci et de cela, c'est toujours, la vie est toujours un combat. Mais nous remercions notre Seigneur. S'il n'était pas venu, où est-ce que nous serions aujourd'hui? C'est parce qu'il est venu nous chercher. Il nous a vraiment... Et cela, c'est quelque chose que parfois que nous ne réalisons pas. Et c'est parce que aussi, c'est vrai, nous n'y prêtons pas attention. Nous sommes dans ce monde, effectivement, mais en réalité, nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes un peuple qui se trouve, en fait, dans un environnement qui n'est pas palpable, en fait, mais un environnement tout à fait spécial. C'est cette manière de Dieu de pouvoir témoigner qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Nous marchons dans ce monde, mais nous réalisons que nous sommes conduits, non pas par nous-mêmes, mais il y a quelque chose, effectivement, qui nous ramène toujours à pouvoir marcher selon quelque chose qui, parfois, on ne peut pas comprendre. Mais c'est quoi? Vous dites, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, quand nous prions, qu'est-ce que nous disons? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit donc sanctifié, que ton règne vienne, et que quoi encore? Où c'est? Comme au ciel.
Ça veut dire que nous marchons sur la terre, mais notre état est conditionné par quelque chose. C'est-à-dire que nous appartenons vraiment à un royaume. Et que nous faisons partie de ce royaume dont Dieu, notre Père, est le roi. C'est pour ça que, étant sur cette terre, effectivement, nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. C'est la raison pour laquelle aussi on dit de nous, nous qui sommes des croyants, pas tous les soi-disant croyants, vous comprenez? Nous, les croyants, les fils de Dieu, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. C'est vrai, c'est merveilleux, frères et sœurs, quand on peut regarder le tableau. Je disais, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire dans ta façon de faire les choses. Oh, tu as pris des hommes tels que nous sommes, dans un monde tel qu'il est, et tu as fait de nous des hommes qui sont particuliers. Vous savez, quand tu connais Dieu, que tu es un fils de Dieu, tu dois être particulier. Tu ne dois pas être particulier parce que tu veux montrer que tu es particulier, mais en fait, ce que tu vis, ce que tu es, montre qu'en fait, que tu es particulier dans un milieu dans lequel tu te trouves. Et quand les gens te regardent, effectivement, ils disent, mais c'est comme quelqu'un qui vit dans une autre planète. Évidemment, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes conditionnés par ce que nous vivons en fait réellement. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, dans sa grande, immense bonté, sa richesse et sa connaissance aussi, nous ayant prédestinés dans un temps comme celui-ci, pour que nous puissions marquer la différence. Dieu a voulu démontrer qu'effectivement que les hommes tels que les hommes qu'on peut voir, effectivement, il peut faire une grande différence, tels que étant dans un environnement tout à fait humain, mais ne sont pas conditionnés par l'humanité de l'homme. Ils sont conditionnés effectivement par quelque chose. C'est pour ça que, vous voyez, comme le Seigneur peut arriver à pouvoir nous dire, comme dans Philippiens, il dit, mais que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait que l'être humain normal ne peut pas penser comme cela. Parce que ses pensées sont toujours impures. Vous vous souvenez, non? Toutes leurs pensées tournaient chaque jour vers le mal. Genèse chapitre 6. C'est pour ça qu'il a détruit, effectivement. Mais alors, que cet homme, effectivement, qui a toujours des pensées tournées vers le mal, qu'il puisse arriver à pouvoir être dans un milieu, dans un monde, avec la pression, avec tout ce qu'on dit, mépris, insultes, effectivement, qu'il ait toujours des pensées qui soient justement pures. Et qui pense toujours droit même, effectivement, l'endroit de celui qui les méprise, effectivement. Ça, c'est pas possible. Mais Dieu a voulu cela montrer que c'est possible. Mon frère et ma soeur, nous le répétons, parfois nous ne faisons pas attention, mais en fait, gloire à Dieu que nous faisons l'histoire, en fait, dans un monde comme celui-ci. Quand j'ai eu la grâce de pouvoir voir à peu près les tableaux, et comment est-ce que le Seigneur, notre Dieu... Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que depuis la Genèse, tout au long des périodes de temps qui se sont passées, Dieu agissait de telle sorte qu'effectivement, que quelque chose soit préservé. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu, enfin, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, non? Il s'est passé qu'il y avait Caïn et Abel. Amen. Et alors, de ces deux personnes, on a remarqué une chose que... Et c'était des êtres humains, comme tout être humain, mais ce qui différenciait l'un de l'autre, c'était les actions que l'on pose. En fait, nous posons les actes en fonction de ce qui domine sur nous. Nous l'avons entendu la fois passée. C'est-à-dire que ce qui domine sur toi te pousse à poser les actes. Donc, nous avons remarqué qu'effectivement, que ces deux enfants, il y en avait donc Caïn et puis il y avait Abel. Et ils sont tous partis, effectivement, pour poser un acte. C'est-à-dire, en fait, l'offrande, effectivement, pour offrir à Dieu parce qu'ils adoraient quand même Dieu. C'est ce que Caïn a fait, non? Vous l'avez plus. Il y a longtemps que vous avez lu cela. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Merci beaucoup. Et alors, ils sont allés donc offrir leurs offrandes, pas à un autre Dieu, non, au Dieu qui a créé les cieux et la terre.
arrivé, c'est Dieu, et c'était l'unique et le seul Dieu. Donc, Caïn est parti, Abel aussi est parti. Mais ce qui est particulier, c'est que le Dieu du ciel que les deux sont allés adorer a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. On se pose la question pour savoir pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïn? C'est là qu'on voit la sagesse et la préscience de Dieu dans tout ce qu'il fait, parce que on peut juger Dieu, mais pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il fait cela? Dieu sait ce qu'il fait. Et bien nous, toi et moi, nous ne le savions pas en fait. Quand on a vu des êtres humains, on a vu qu'ils sont semblables et puis ils sont venus d'une même mère, donc pas de problème. Mais Dieu savait. Que de ces deux enfants-là, on a vu par là. Parce que vous savez, quand vous offrez quelque chose, parce que vous savez que vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, en fait, mais le je t'aime que vous dites n'est pas tellement sincère. L'humain ne peut pas le savoir. Mais en fait, nous posons les actes de la même manière que tout le monde, effectivement, on vient à donner à quelqu'un, effectivement, mais ça dépend ce qu'il y a dans ton cœur quand tu fais l'acte, en fait. Ce que Dieu regarde, c'est ce qui te conditionne. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme pensée pour l'acte que tu poses? Est-ce que c'est là qui a déterminé? Effectivement, quand Dieu a regardé, parce que l'offrande de Caïn n'était pas vraiment sincèrement ce qu'il fallait. Et lui, quand il a offert, il y avait quand même d'autres pensées en lui, parce que, voyez-vous, mon frère et ma sœur, n'offrez rien à Dieu si vous ne le faites pas de tout votre cœur. Même quand vous chantez, ça ne sert à rien de chanter, montrer, j'ai chanté, quand ça ne vient pas du fond de ton cœur. Parce que Dieu aime être adoré. Et pour l'adorer, il faut d'abord l'aimer. Vous souvenez dans le livre d'Esaïe, je pense, Esaïe 28 ou quelque part, dit, mais ce peuple ici, il m'honore seulement des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. C'est-à-dire que ce que Dieu cherche davantage, effectivement, à pouvoir voir, c'est l'origine de ce qui te pousse à poser l'acte que tu poses à son endroit. Qu'est-ce qui fait que tu puisses chanter Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu puisses venir dans la maison du Seigneur? Bon, vous savez, j'ai reçu beaucoup de questions, effectivement. Bon, en globalité, effectivement, des frères qui sont à l'étranger aussi, qui posent des questions en rapport avec l'Apocalypse. Ainsi, mais bon, peut-être que si Dieu le permet, quand on aura terminé, effectivement, ce que nous avons peut-être passé aux questions-réponses. Mais regardez une chose qui est très importante. Parce que il doit y avoir une différence entre vous et tous les autres croyants. Parce que tous ceux qui croient aujourd'hui, comme nous l'avons pu l'entendre, si vous vous souvenez encore davantage, pourquoi est-ce que l'évangile est venu vers les nations? Ce n'est pas que Dieu voulait sauver les nations. Vous vous souvenez encore? Dieu avait un peuple parmi les nations. Il voulait tirer son peuple du milieu des nations. Parce que c'est comme cela que l'évangile est venu. Et puis les autres aussi en ont donc profité de cela. C'est-à-dire que le Seigneur a toujours fait, chaque chose qu'il fait, c'est toujours pour un but qu'il veut atteindre. Alors on se pose la question, il dit, mais l'acte que je pose à l'endroit de Dieu, même le fait de venir dans la maison du Seigneur, et ça j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, parce que vous savez, frères et sœurs, tout homme qui se tient debout avec la parole et qui conduit un peuple, il sera responsable de ce peuple-là, parce que, ah bien sûr mon frère, je vous ai parlé de la vision que les seigneurs, vous vous souvenez? Donc, il y a une responsabilité. Moi, je dois être assez aussi clair parce que je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un, de vous, sur mes mains. Vous comprenez cela? Non, ça c'est important, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient claires. Je ne vous ai jamais obligé de pouvoir être quelqu'un qui dit, si je ne vais pas, on va commencer à me chercher. Non, frère. Chacun de vous doit sentir libre. Quand vous sentez que vous voulez venir, venez. Parce que si vous venez pas vous sentir forcé, c'est que vous avez un problème. Et la bénédiction ne pourra pas avoir lieu. Mais si, quand même, quand tu es un fils de Dieu, il est impossible quand même que tu manques la réunion. J'ai pas bien entendu. C'est ce que j'aime bien entendre. Les amen comme cela. Ça vient du cœur, non? Sincèrement, du fond du cœur. C'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas supplier Godson d'aimer mon frère Jonas.
Godson, Godson, aime-moi, parce que je suis ton père. Si tu ne m'aimes pas, je vais frapper. Aime. Dis, papa, je t'aime. On peut dire ça. Il va dire, oh, papa, je t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu l'as forcé. Même si tu entends comme ça, les frères sont dit, ah, j'ai un fils Godson qui m'aime. Tu seras malheureux. Tu dis, mais pour qu'il dise qu'il m'aime, je dois forcer. C'est pas possible. Oh, j'aurais aimé avoir un fils qui m'aime vraiment. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi la même chose avec Dieu. Donc, chaque chose que toi, tu poses comme acte, il y a d'abord... C'est... Ah non, quand ils ont présenté l'offrande, effectivement, chacun... Dieu a regardé. Les gens vont dire, mais Dieu est injuste. Dieu n'est pas juste, Dieu est droit et juste. Il voit la motivation qu'il y a derrière toi quand tu poses un acte, effectivement. Alors, il regarde, effectivement, il a vu qu'en fait, avec Caïn, il y avait un sérieux problème. Caïn était du malin. Or, quand on est du malin, mon frère et ma soeur, on ne peut pas aimer Dieu de son cœur. Non, parce que le malin combat Dieu. Le malin ne veut rien avoir, ne veut pas que Dieu puisse être glorifié. Tout ce qu'on fait, effectivement, c'est pour que Dieu soit toujours déshonoré. Ça, c'est le malin. Ça, c'est le fils du malin. Caïn, la Bible dit plus tard qu'il était vraiment... C'est là qu'on a découvert. La Bible, c'est merveilleux. Caïn, il était du malin. Alors Dieu est vraiment Dieu. Comment pouvait-il agréer quelque chose qui venait du malin parce que ce n'est pas droit? Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas injuste. Il voit quand tu viens, quand tu rentres dans sa maison, quelles sont les motivations, quelles sont les pensées, qu'est-ce que tu veux faire effectivement. Oui, monsieur, vous pouvez me tromper, moi, mais quand même, Dieu, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut toujours un cœur droit et sincère. Quand on doit faire quelque chose pour Dieu, c'est comme cela. Quand on doit venir aussi pour louer Dieu, bon, frères et sœurs, nous allons lire tout de suite dans Romains chapitre 8, si Dieu le permet. Je vais être court. Voilà. C'est important pour que nous comprenions et que nous sachions toujours, effectivement, pourquoi c'est Dieu que nous aimons. C'est donc tant de la peine, frère, va toujours nous parler, nous montrer, effectivement. On ne vient pas là comme dans une pièce de théâtre, effectivement. Parce que ce que vous entendez, frère, ce que vous entendez, sœur, ce sera un jugement pour vous. N'oubliez jamais, vous pouvez ne pas croire, mais un jour vous mourrez. Vous serez jugé. La voix que vous entendez ici, vous l'entendrez. Vous pouvez l'écrire, même les lier quand vous serez même dans votre cercueil. Parce que bon, c'est pas possible de lier dans le cercueil parce que vous êtes déjà mort. Enfin bon. Mais de l'autre côté, mais c'est vrai. De l'autre côté, là-bas, si vous prenez la légère ici, vous allez pleurer. Il a dit, il y aura de pleurs et de graissements de quoi? Dieu ne se trompe pas. Vous vous souvenez, je vais revenir dans Romain, pardonnez-moi, puis dans Caïn. Vous souvenez de ce pauvre Lazare, comme on l'appelle. Et c'est des riches que vous êtes, en fait. Donc, quand ménage juif, voyez, vie joyeuse, effectivement. Mais il connaissait quand même Abraham, hein. Religieux, en fait. Faisant les choses comme un pharisien pour qu'on voit qu'il est saint, qu'il est vrai, qu'il est pur, toujours comme ça. Mais son cœur est relié complètement toujours de Dieu. Mais il aime tellement le monde, en fait. Les félicitations du genre du monde, effectivement, la gloire du monde, ça, c'est ce que le cœur des anges aime. Alors, quand il vivait sur la terre, Lazare n'était pas comme ça. Vous connaissez cela, non? Eh bien, voilà que, comme tout arrive aussi au bout un jour, on a dit que Lazare aussi mourut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de Lazare, qui était un pauvre, qui n'avait pas, dont les gens ne payaient pas, ne regardaient pas beaucoup Lazare, mais regardaient l'homme riche qui voulait se faire voir. Quand il s'endormit, il mourut, on dit que les anges sont venus le porter. Si l'ange portait quand même quelqu'un comme ça, c'est qu'il a, vous savez, de la valeur aux yeux de Dieu. À l'amener jusqu'aussi dans les seins d'Abraham. Et puis on dit, et les riches aussi mourut. Eh ben oui. Tous les deux se sont retrouvés où c'est? Dans le séjour de mort. Alors les riches qui étaient sur la terre aussi riches avec autant de temps qui faisaient toutes les choses pour se faire voir, effectivement, qu'on me voit. Parce que, sœurs, frères, ça ne sert à rien de chercher qu'on vous voit, qu'on vous fasse des éloges ou des applaudissements ou des félicitations. Les félicitations ne vont pas vous sauver. Ne faites rien pour vous faire plaire aux gens, pour qu'on dise, mais moi, faites que vous plaisiez à Dieu. Amen, amen, amen. Si moi je plais à Dieu, c'est sûr et certain, je plairai à son peuple. Amen.
Oui, c'est ce que, parce que frères et sœurs, vous savez, il faut jamais, il faut jamais mettre les choses en désordre. Amen. Que Dieu te bénisse, moi. D'abord, c'est que, vous comprenez, vous suivez? Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, tout ton âme, de ta force. Vous comprenez cela? Amen. Quand j'aime ce Dieu de tout mon cœur, mon problème est solutionné. Amen. Puisque je l'aime, alors j'aimerai mon frère. Il n'y aura pas de problème. Que lui ne m'aime pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un problème solutionné. Mais quand je renverse les choses, j'ai dit que je fais ceci pour que les frères ici m'apprécient ou la sœur ici m'apprécie. Frères et sœurs, vous verrez qu'effectivement, que plus tard, vous allez vous coincer contre le mur. C'est sûr et certain. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur? Parce que l'homme a des humeurs changeantes. Aujourd'hui, il est bien. Il va applaudir. Demain, tu as dit une parole qui ne l'arrange pas. Il devient nerveux. C'est-à-dire que l'amour de l'homme à ton endroit, il est changeant. Mais maintenant, si cet homme ou cette femme est un fils de Dieu, il a expérimenté Dieu, son amour n'est pas flottant. Parce que tu t'accroches à Dieu, eh bien oui, lui aussi s'accroche à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc il vous aimerait effectivement de la même manière. Frère, c'est quelque chose de devoir comprendre effectivement de telle manière qu'il y a des choses que nous devons comprendre comment agir. En tant qu'enfant de Dieu, ne cherchez jamais en disant qu'il faut que je fasse comme ça, parce que ces gens-là qui vous apprécient aujourd'hui, même entre vous, ils vont vous critiquer. Même ton ami dit, mais c'est mon ami. Je lui ouvre mon cœur demain. Ce que tu lui as dit sera sur le marché. Frère, il n'y a qu'un ami que nous avons. Lui, il est toujours un ami fidèle. Tu lui parleras, jamais tu entendras dans la rue. Alléluia. Lui, il t'écoute, il solutionne, et puis le livre est effacé. Mais c'est lui qui est ton ami, il dit, mais c'est mon ami, c'est mon confident. Tu vas lui parler, il va enregistrer. Le jour où ça va barder, il va appuyer sur le bouton. Eh bien oui, c'est sûr. Non, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous avons un maître glorieux et merveilleux qui nous éduque, qui nous instruit, qui nous montre effectivement comment nous, en tant qu'enfants. Alors, quand ils sont venus avec des offrandes, et Caïn a offert son offrande, n'oubliez pas, frères et sœurs, des fils du malin, donc les enfants de Satan, je me dis effectivement que oui, c'est là qu'on sait que le diable aussi a ses propres enfants. Ils sont très religieux. Puisqu'ils n'ont pas la foi, ils sont religieux. C'est, ils sont excellents dans la religion, de pouvoir, on va faire. Bien sûr que c'est toujours comme ça. Des hommes qui sont religieux. Or, ceux qui sont des dieux, eh ben, ce sont ceux-là qui ont la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'ils placent leur confiance en Dieu. Et c'est pour ça que vous avez remarqué qu'effectivement, quand ils sont partis à Dieu pouvoir offrir, lui, il avait sa façon, lui, de pouvoir. Faire des choses, bon, quand je ferai comme ça, Dieu va griller cela, ainsi. Et compter effectivement sur ce qu'il est en fait. Il faut que je fasse. Mais Abel, lui, c'était différent. Il avait la foi en Dieu. Oui. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait comprendre. Pourquoi avait-il foi en Dieu? Parce que tout ce qui était dans Abel, c'est ce qui était aussi un Dieu. Parce que Adam était un fils de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et Abel venait donc d'un fils de Dieu. Et il était aussi un fils de Dieu. C'est pour ça que lui, quand il est venu pour offrir, il a voulu d'abord savoir ce qui plairait à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a quand même cherché la face de Dieu parce qu'il fallait quand même. Et c'est comme ça. Et il a voulu savoir qu'est-ce que Dieu voulait. C'est pour ça qu'on nous fait savoir qu'il lui a été révélé que ce qui s'est passé là, c'était en fait le sang qu'il fallait. C'est comme cela qu'il a offert ce qu'il fallait, c'est-à-dire le sang. Quand il a offert, lorsque Dieu a regardé, il a vu effectivement ce qui était derrière la pensée.
et la motivation qui lui a été poussée à pouvoir poser cet acte, effectivement, alors Dieu ne pouvait que s'empresser d'agréer la chose, s'il vous plaît, qui était conforme à sa volonté. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, mon frère, comment voulez-vous faire ma volonté si moi je ne vous l'ai pas révélé? God bless you. Vous ne pouvez pas dire que I guess, non, pardon, je suis. Non, c'est-à-dire que pour faire ma volonté, il faut que vous me demandiez. Ah oui, c'est à moi de vous dire que voilà ce que je voudrais. Alors quand je dirais cela, que vous ferez, ça me plairait. C'est un exemple. Donc c'est comme cela que pour que Abel ait pu poser un acte comme celui-là, il fallait quand même que Dieu lui révèle la chose et la poser là. Alors, vous remarquerez, frères et sœurs, regardez très bien. Je ne vais pas être long. Abel est mort. N'est-ce pas? Il nous est resté qui ça? Caïn. Vous regardez comment les choses sont étudiées. Dieu a parlé à Caïn, c'est rentré là. C'est toujours comme ça. Quand vous êtes têtu, il y a un problème. L'effet d'être têtu, mon frère et ma soeur, tu peux chanter, tu peux doser, ça là-bas. Quand tu es têtu, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ça veut dire qu'il y a une nature. Je parlais, je ne sais pas à qui, là, je pense, il y a quelques jours de cela. Je sais pas, vous étiez pas là où on était. Ah oui, j'étais avec Alice, n'est pas là ici aujourd'hui. Ouais, ils étaient venus. Ah, ben, là. Avec, oui, Anna était là aussi, je pense, Daniel était effectivement, bon, c'était, et puis il y avait notre conducteur de la chorale, Héritier aussi, je crois qu'il était là, bon, ils étaient venus me dire bonjour. Et alors, je pensais, c'est peut-être qu'à ce moment-là, je parlais avec Teddy, oui, je pense que j'étais à ce moment-là, d'une certaine manière ou d'une autre, enfin bon, bref. Juste pour montrer une chose qui est très importante dans la manière dont le Seigneur fait les choses, que parfois, nous n'arrivons pas à pouvoir saisir et comprendre. Quand on regarde, effectivement, c'est pour dire que on voit la différence, effectivement. Regardez, quand Caïn a tué Abel, Dieu a fait quelque chose. Il a parlé à Caïn, mais Caïn n'a pas écouté. Vous vous souvenez? Bien que Dieu est venu, il a eu à pouvoir parler, Caïn n'a pas écouté. Mais vous remarquez très bien que Dieu n'a pas permis qu'on tue Caïn. C'est quelque chose quand même tout à fait surprenant. Dieu n'a pas permis qu'on tue Caïn. Il dit, mais celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Vous pouvez comprendre cela? Si vraiment Dieu était mauvais, ça montre qui il est, effectivement. Mais regardez, Caïn est allé quand même plus loin. Il a épousé, effectivement, une femme dans le côté de Nod. Bon, les gens posent la question, mais comment est-ce que Caïn a pu trouver une femme alors qu'effectivement, que, à ce moment-là, il n'y avait personne sur la terre? Oui, c'est normal qu'on se pose cette question. Mais en fait, les temps sont passés. Caïn a épousé sa propre soeur. Parce qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre. Alors, dans les temps anciens, il était donc permis donc, de que frères et sœurs de la même famille. Oui, puis arriver à pouvoir se marier. Oui, c'est comme ça, parce que bon, il fallait que la terre soit peuplée. Et puis, s'il n'y avait pas, parce que nous pouvons, parce que nous sommes tous, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, nous sommes tous ici d'un seul sang. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire, ne me prenez pas comme ça qu'il est, frère Léonard, c'est sûr. Non, j'ai dit, mais celui qui dit que c'est un péché, c'est Dieu, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Il faut être spirituel. Qui déclare que ça c'est un péché, c'est pas moi. Et c'est pas toi. Mais c'est Dieu qui dit que ça c'est un péché. Il peut dire aujourd'hui que ça c'est un péché, demain il dit que ce n'est plus un péché. Donc c'est pas moi de pouvoir déterminer. Et c'est pour ça qu'avec Dieu, il faut toujours laisser Dieu faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Alors, c'est comme cela, parce que bon, ça peut être choqué, parce qu'il dit, oh, frère, mais oui, c'est comme cela. Ça a été comme cela, le frère avec sa sœur, il n'y avait pas un problème de consanguinité parce que Dieu veillait. Vous voyez que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, effectivement. Il pouvait avoir des bébés bien en bonne santé, c'est ce que nous avons vu. Oui, c'est comme cela. Des bébés en bonne santé, un frère avec sa sœur. D'ailleurs, frère, Dieu n'a jamais changé. On se marie comment?
Juste aujourd'hui. Je ne peux pas épouser l'étrangère. Je dois épouser ma soeur. Et tu dois épouser ton frère. Vous voyez, c'est toujours le même Dieu. Depuis les Genèse, il ne change pas. Donc moi, non, c'est vrai. Nous devons nous marier, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on me regarde et dit, oh frère, frère. Et c'est comme cela qu'étaient donc les choses. Et alors, en avançant, effectivement, ainsi, effectivement, Dieu a veillé à une chose. Quand Abel a été tué, il a suscité en fait aussi Seth. Vous remarquerez qu'effectivement, que de la lignée de Caïn, il y a eu des hommes et des femmes aussi. Vous suivez? Ah, Dieu est très beau. Du côté aussi de Seth et Adam, donc, il y a eu, parce que dans la généalogie, effectivement, de Adam, vous ne trouverez jamais Caïn. On citera fils de Dieu, on ne trouvera jamais Caïn, fils d'Adam. Non, Caïn, fils du malin, oui. Non, non, c'est la vérité, c'est pas pour rire, mais c'est la vérité, c'est bien écrit, Caïn était du malin. C'est important que vous compreniez cela. Parce que lorsque Caïn a commencé à voir aussi, ça tournait le temps d'abattre ses enfants, blablabla, il s'est passé une chose. Parce que Dieu est un Dieu qui n'aime pas le mélange. Pourquoi est-ce que Dieu insistait pour cela? Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Vous vous souvenez? Non, beaucoup ne se souviennent pas. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez Genèse 3, verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au serpent? Il dit, je mettrai inimitié entre ta sémence et quoi? Et la sémence de voilà. Donc il a bien, il a montré qu'il y aura des lignées en fait. Amen. Gloire à Dieu. Qui ne pourront jamais être mélangées. Et ça depuis le départ, monsieur, Dieu a veillé. Parce que Caïn avait aussi sa postérité qui était la postérité du malin. Parce que Caïn était du malin. Alors voilà que Dieu observait très bien. Seth est venu ici. Là, c'est plutôt qu'on a pu de Seth et puis de... jusqu'à Enoch. C'est pour ça qu'au temps d'Enoch, il y a eu des mélanges, monsieur. Vous n'avez pas bien lu les Écritures? Regardez très bien. Genèse 6, il dit ici. Genèse chapitre 6, je pense que c'est cela. Regardez très bien. Genèse 6, verset 1, il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, vous entendez bien? Écoutez bien. Et que des filles leur furent nées. Normal, hein? Est-ce que vous comprenez? On nous dit, le fils de Dieu, qui sont-ils? C'est une lignée d'Adam, monsieur. Le fils de Dieu vit que le fils des hommes. Ça, parce que du côté d'Adam, c'était spirituel. Du côté de Caïn, il fallait que Caïn aille sa postérité. Du côté de Caïn, eh ben, c'était bien tout charnel. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas. Il dit, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. N'écoutez pas ces âneries-là qu'on vous raconte sur des YouTube en disant que oui, les anges sont descendus. Avez-vous vu un ange avec un sexe, pardonnez-moi l'expression, mais avec un sexe pour s'accoupler avec un être humain pour pouvoir avoir un bébé? On fait croire des âneries, mon frère. Non. Les anges sont asexués. Vous comprenez, non? Asexués, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe. Maintenant, vous comprenez? Ok.
Parce que on a vu les livres aussi, c'est des manoirs qui est parti, qui nous a raconté qu'on a vu, on vous dessine des anges bizarres qui descendent du ciel. Mes frères et sœurs, ça sont des, vous avez un livre de vérité, c'est ça. Amen. N'ayez pas peur de votre temps avec, oui, puis vous faites des films qui vous frappent aux yeux là, on a vu avec des ailes. Non monsieur, et puis quand on parle des anges, toujours des ailes, il faut bien lire les saintes écritures. C'est important cela. Est-ce que vous suivez? C'est simplement pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les. Somme, nous sommes jeudi, c'est le jour de la prière. Mais c'est pour que quand vous priez, vous compreniez ce que Amen. Dieu a fait. Parce que quand vous entendez la parole de Dieu, ne dites pas, Seigneur, c'est beau ce merveille, mais en fait, c'est pour vous pousser à pouvoir prier, pour dire, Seigneur, combien tu es grand, tu veilles sur ta parole. Oh, j'ai confiance que moi aussi tu me garderas pour que je sois grand. C'est cela le but. Pas dire Alléluia, là, c'était tellement si beau, et puis vous partez, vous avez complètement oublié. Ça doit vous pousser à pouvoir croire, à réaliser la fidélité de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre, Seigneur, je ne peux pas jouer dans la maison du Seigneur. Je viens, je dois avoir beaucoup de respect, de considération. Alors écoutez bien, elle dit. Alors, je dis, mais mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors, j'ai déjà lu cela. Verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu es appelé fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence parce que tu appartiens au Seigneur. Il dit, après que les fils de Dieu furent venus donc vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont donc ces héros qui furent donc famés dans l'Antiquité. Donc nous comprenons. Ah oui, bien sûr, effectivement, qu'il y a eu donc ce mélange-là. Entre ceux qui venaient des Caïn, cette lignée qui était donc d'Adam, ça produit quelque chose d'autre que Dieu ne voulait pas. C'est pour ça que le Seigneur avait décidé de pouvoir tout décimer pour que cela ne puisse pas continuer. Mais la Bible nous dit une chose, que, mais Noé, Noé, Noé. Si j'avais un tableau ici, regardez très bien, frère. Dieu a veillé sur que la lignée soit propre. Amen. Malgré qu'il y a eu de mélanges, là, effectivement, il a gardé Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce. Oh. Noé, dans son temps, la Bible dit, mais il marchait avec Dieu. Quel amour, frère. Il faut être un fils de Dieu pour aimer Dieu malgré la conjoncture, malgré que la pression y est, effectivement, malgré tout ce que nous avons fait. Parce qu'il dit, ici, la Bible dit qu'il dit, tout, écoutez bien, je crois que quelque part ici, nous fait savoir, et c'est cela, oui, quand même. Voilà. Et voilà, c'est verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers. Regardez où nous en sommes même aujourd'hui, mon frère. Même si vous êtes des aveugles, mais c'est la concentration du mal aujourd'hui. Le mal, aujourd'hui, est considéré comme étant le bien. Le bien est considéré comme étant le mal. Oh, à l'époque, on poussait même tout le monde à aller dans les églises. Dimanche, je ne pouvais même pas voir un petit magasin ouvert. Les dames se promenaient bien avec des robes. Madame, vous voyez bien, c'était bien habillé. Ou si on va où, les églises étaient remplies. Mais aujourd'hui, on va même fermer les églises parce que ça dérange. On fait la promotion de tout ce que vous entendez, ainsi de suite, effectivement. C'est que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas que nous sommes en train de pouvoir être dans des histoires qu'on nous raconte, mais en fait, nous sommes en plein, dans le champ que vous le voyez vraiment. Eh bien oui. Là, on nous dit bien que, eh bien, très bien, il dit, mais chaque jour, uniquement vers le mal. Écoutez bien, ce que ça veut dire. Voilà. Il dit, voilà. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, quand je me repens de les avoir faits. Donc tout était corrompu parce que les démons se sont maintenant emparés, la nature des animaux, tout ça, même la terre, effectivement, tout ça, c'était des ronces d'apine qui poussaient, effectivement. Donc tout était. Alors, plus bas, on nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Voici donc la pensée de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. J'aime beaucoup cela. Que Dieu te bénisse. Noé, dans son temps, malgré tout ce que les autres pouvaient faire, effectivement, il ne s'occupait pas de ce que les autres voulaient ou penser de lui. Lui, il cherchait à marcher avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il y avait une semence dans Noé. C'est pour ça que vous remarquez, frères et sœurs, que lorsque le déluge, hein, effectivement, avant qu'il vienne, Dieu a parlé par Noé. Et tous ceux qui étaient sur la terre, effectivement, en grande majorité, n'ont pas pu accepter seulement Noé avec sa famille. C'est comme ça que Noé est rentré dans l'arche, effectivement. Et vous remarquerez, effectivement, que c'est à partir de Noé, maintenant, pas tout cela, effectivement, tout a été détruit, effectivement, ce qui était mélange. C'est maintenant dans l'arche, effectivement, après qu'ils sont sortis de l'arche, effectivement, que toutes les populations de la terre sont venues maintenant de la descendance de Noé. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que il y a donc Sem, Cam, Japheth, vous connaissez. C'est cela, non? Donc, de ceux-là, maintenant, avec la répartition sur la terre, effectivement, et vous avez remarqué que Dieu avait un œil sur un petit bonhomme. Oh oui. Oh oui. Il le suivait et lui ne se rendait pas compte. C'était donc Sem. Maintenant, vous remarquez très bien que c'est pour ça que on m'avait posé une question de pouvoir savoir comment ça. Je crois que c'est notre sœur Deborah Nise ici qui posait la question. Mais j'allais lire cette question, mais parce que bon, puisque tous les gens qui sont dans l'Ancien Testament sont morts, ce que Dieu les a pas sauvés, et c'est dit que Dieu était injuste, effectivement, de ce que cela, finalement. Vous savez, la question a été posée comme cela. Mais ça veut dire quand nous prenons effectivement la manière chronologique de faire de Dieu, vous remarquez que Dieu n'est pas injuste en rien du tout. Oui, c'est... mais si nous avons le temps de nous répondre, mais je vais seulement m'arrêter tout de suite là. Bon, regardez une chose, c'est qu'il a, vraiment fixé son regard sur ces sèmes. Les autres, ils s'en occupaient de cette manière. Jusqu'à ce que, quand vous voyez effectivement sèmes, hein, en fait, et plus loin, nous voyons dans Genèse, au chapitre 11, effectivement, qu'il a eu le regard sur un monsieur, il s'appelait donc Abraham. Vous suivez? Donc, Dieu a parlé à Abraham. En fait, c'est parce que il mettait... Vous savez qu'Abraham s'est marié avec sa demi-sœur, non? Vous comprenez? Donc, il a gardé, en fait, cette lignée pour que ça ne puisse pas se mélanger avec l'autre. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait donc celui qui devait venir. La semence pure de Dieu, vous me suivez? Amen. Elle ne devait jamais venir dans une ou dans un truc qui avait été mélangé. Il fallait que la lignée soit gardée pure depuis Adam jusqu'à ce qu'on arrive à Marie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a, parce que frères et sœurs, puisque ce qui est de Dieu est 100%, tout doit être de 100%. Il ne doit pas y avoir un mélange avec ce qui est de Satan. C'est pour ça que vous remarquez très bien que le Saint-Esprit doit venir en toi avant que Dieu n'ait déraciné ton caractère mauvais. Parce que frères et sœurs, ce que nous sommes, je veux que vous compreniez, ce que nous sommes, les insultes que nous insultons aux gens, les mauvais pensées que nous avons, effectivement, notre bouche qui parle tout le temps pour critiquer, ça, ce sont des démons. C'est la sémence du démon. La langue que tu as, ça a un venin. Donc quand tu parles, au lieu de pouvoir que ton frère soit heureux, quand tu lui parles, ça blesse le cœur. Ça, c'est du venin. Et ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Comment Dieu peut-il être dans une personne comme ça? Dieu ne peut pas cohabiter avec les saletés. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous voulez parce que vous voulez recevoir le baptême? Dieu ne peut pas cohabiter avec... Non, parce que quand tu viens, tu vas baptiser le Saint-Esprit, tu vas pouvoir insulter, critiquer, avec la langue. C'est pas normal. Ce que tu n'as pas reçu, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut te mettre la clé dans son temple. Ça veut dire qu'avant d'entrer, c'est un Dieu qui est propre. Il nettoie, quand lui, il nettoie, il déracine. C'est pour ça qu'il dit, mais la sanctification, c'est bien, d'abord il vient, il te ramasse et puis il te sanctifie. C'est le nettoyage complet, conscience et subconscience. C'est 100% vrai pour l'amour de Dieu. Tu ne peux pas, toi, un frère ou une soeur qui est baptiste, tu restes ton frère concernant toujours le mal sur lui, le mal sur ta soeur, le penser toujours mauvaise. Non, tu peux danser, dire, j'ai reçu, j'ai senti l'émotion. C'est bien l'émotion, mais tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu peux raconter tout ce que tu veux.
On reconnaît l'arbre par ses fruits. Qu'est-ce que tu produis? C'est la semence du malin. Les racines sont là. Dieu ne peut pas être là. Donc il a gardé les tubes, effectivement, il a purifié, il n'a pas voulu mélanger. Ça, il a fait dans le naturel pour que l'homme, Christ naturel, puisse venir, monsieur. Mais c'est la vérité que Dieu. Et puis, il a même venu, mais il a parlé de David. Oui, monsieur. C'est la lignée de David. Dieu a toujours gardé les choses. Parce que nous ne comprenons pas Dieu parce que nous ne voulons pas que Dieu se fasse comprendre à nous. Nous avons déjà une compréhension de Dieu à notre façon. Nous sommes fait une religion à nous-mêmes, effectivement. Mais jamais on ne pourra atteindre la perfection. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, dans l'état dans lequel nous sommes, rempli de tout ce que nous sommes comme nature. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas, vous ne réalisez pas. Mais vous êtes double, en fait. Il faut faire attention, il faut vous regarder très bien. C'est double, en fait. Et ça, Satan joue tellement, tellement. Parce que, étant dans la chair, la nature charnelle, effectivement, et prendre d'implantage, c'est l'avantage chez vous. Mais vous ne regardez pas, parce que regardez très bien. Quand nous sommes ici, on est dans l'esprit, on chante effectivement, gloire à Dieu, on se voit au ciel. Un jour, j'irai là-haut, vous connaissez, non? Nous chantons. Mais quand vous sortez, c'est comme si vous avez pris la couverture, vous le souhaitez. Il dit, mais la personne qui a dit un jour, j'irai là-haut, maintenant, tu vois, il a le visage fermé, il te répond violemment, il est même prêt à pouvoir te mettre les ongles dans le cou. Tu dis, mais c'est la même personne qui a chanté avec lui, je vous j'irai là-haut. C'est ça qui fait souffrir, frère. Parce qu'on dit, mais Seigneur, on apporte la parole. Mais on voudrait quand même voir le changement. Voir qu'un frère, mais cette sœur a changé, Seigneur. Frère, c'est les larmes qu'on a tous les jours. Tu leur as dit, mais Seigneur, j'ai vu que, mais il a changé. Le frère a changé. Gloire à toi. On dit, Seigneur, on a fait un travail. Mais chaque fois, même le Seigneur descend, on dit, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Il a changé, mais tu sors. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu a son peuple. Et nous, nous devons être conscients de ce que nous sommes, de ce que... Vous savez, vous ne pouvez pas vous faire entrer vous-même dans votre ciel à vous, parce que vous ne l'avez pas. Il n'y a qu'un seul ciel. Et le propriétaire, c'est Dieu. Et il a des conditions à lui que nous devons remplir. Et cet homme-là qui était sur la terre pensait qu'il pouvait rentrer dans le ciel comme il le voulait. Mais quand il est mort, il est allé dans les séjours de mort. Et là, il avait, vous savez, sa vie qu'il menait sur la terre. Mais quand il est arrivé là-bas, vous savez, il faisait tellement si chaud là-bas, à cet endroit, que sa gorge et tout ce qu'il est, effectivement, était tellement desséché. Et l'homme pleurait, parce qu'il voulait que sa gorge puisse quand même avoir une goutte d'eau. Vous savez, vous riez maintenant, vous prenez cela à la légère, ce n'est rien. Je vais prier, vous allez rentrer chez vous à la maison. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, un jour, vous allez mourir. C'est quand vous serez de l'autre côté, vous n'allez plus rien réparer. Mais vous allez vous souvenir, frère, de ce que vous entendez ici. Je vous ai montré cette inquiétude. Les saints, les vrais qui vont à la présence de Dieu, les passés oubliés. Mais vous, qui continuez toujours à être des pécheurs, malgré que vous venez ici, effectivement, vous prenez la légère, vous allez vous souvenir que ces jours-là, parce que quand vous serez là, on vous posera la question, Seigneur, vous entendrez la voix de cet homme ici, que vous méprisez, vous allez entendre sa voix. Le Seigneur dit, mais écoutez, tu étais assis, ce jour-là, vous étiez assis ici, un jour, vous serez à la base, tu dis, oui, c'est vrai, j'étais là. Tu ne peux pas nier. Tu étais assis, il a dit, mais tu es en train de pouvoir jouer un double jeu. Tu dis, monsieur, tu te souviendras même de l'heure et du moment. Ah oui, c'est sûr et certain. La question te sera, n'oubliez pas ce que vous entendez aujourd'hui. La question te sera posée. Tu étais là assis, tu le regardais, tu n'écoutais même pas, tu disais vivement que je parte à la maison. Mais quand il te parlait, ce n'était pas lui, c'était moi qui te parlais. Je te préviens. Frère, vous avez vu que quelques-uns parmi nous sont partis subitement. Hein? Les jeunes qui avaient les projets vont dire, mais je n'ai encore vivre 5 ans, même pas atteint 50 ans. Et vous, savez-vous combien de temps vous allez vivre? C'est déjà une grâce que Dieu nous donne de pouvoir nous retrouver, être dans sa maison, dans sa présence, pour que nous apprenions à pouvoir effectivement aussi nous préparer, enfin, d'être conformes à sa volonté.
Parce que, comme nous le disons, il a gardé cela pour que il arrive effectivement à ce que ça soit pas quelque chose de mélangé, mais 100% la parole. Parce que si c'était mélangé, Satan aurait eu toujours la victoire. Parce qu'en fait, c'est dans la chair de l'homme que Satan domine davantage, parce que par le fait que nous sommes, par le fait que nous sommes venus ici dans ce monde, par ces canaux-là, il a le pouvoir sur tous les hommes. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Eh bien, c'est lui qui domine sur toi. Mais tout homme qui sera né comme toi, Satan va dominer. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, Satan n'a rien compris. Il a vu que Marie était vraiment enceinte, il n'a pas bien saisi. Et puis il a vu que Marie a accouché un bébé comme toutes les femmes. Il dit, mais s'ils sont venus par les moyens par lesquels moi je connais ici, que je vois, mais je dois dominer sur lui. Mais quand il essayait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est venu pour essayer, il dit, mais je vais mettre la main, il dit, oh là 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 là. Mais en fait, c'est lui-même qui s'est incliné. Il dit, mais c'est pas possible, c'est un homme. Oui, monsieur. L'homme de Galilée, il est bon, il est bon, mon frère. Comme il chante, que Dieu te bénisse. Il est bon de louer Dieu. Oui, monsieur. Faut pas chanter ça comme ça. Non, non, non. Il faut savoir pourquoi il est bon de le louer. Parce que c'est... Vous connaissez ce psaume-là qui dit, mais il est devenu mon salut. Mais Satan a perdu son pouvoir. Parce que j'aime Job qui dit, mais mon rédempteur est vivant. Ça veut dire que aujourd'hui, en fait, si toi, tu es tellement que Dieu a fait ça pour moi, pour que moi ici, que je devienne Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, si les démons s'inclinent devant lui, ils vont s'incliner devant toi. Mais oui, frère. Mais oui, pour quelle raison? Je ne vais pas poser la question, pourquoi? Parce que, frère et soeur, c'est pas pour rien que les saints inquiétudes parlent de la nouvelle naissance. Parce qu'aussi longtemps que tu es charnel, les démons ont du pouvoir sur toi, sûr et certain. Mais quand tu es mort, c'est pour ça qu'il faut vraiment mourir, hein, pas penser que... Non, c'est-à-dire que je meurs quand tu es mort, enterré, quand tu ressuscites, quelque chose s'est passé en toi. Où est-ce que Satan peut te toucher? Parce que l'ancienne brunette, elle a été enterrée, le jour où elle a réalisé que, mon Dieu, Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Quand dit Seigneur, non, parce qu'il ne s'est pas fait baptiser pour faire plaisir à son papa ou à son cousin. Non, parce que son âme réclamait, Seigneur, je veux mourir. Quand elle est entrée dans les eaux, quand elle est sortie. En fait, vous savez, souvent quand on baptise les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait lors du baptême. C'est cela qu'en fait, là, quand vous sortez de là, en fait, tu as montré devant les hommes naturellement, devant même les démons, qu'effectivement que moi je n'ai plus rien à voir avec les mondes, ni avec les hommes, mais maintenant tout ce qui appartient au monde, je les dépose là. Et quand je ressors maintenant, j'ai un maître auquel j'appartiens. Et quand cela est fait comme cela, le Seigneur prend possession de la personne, sûr et certain. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le regard maintenant qui est posé sur toi par les démons, en fait. La nouvelle naissance veut dire qu'effectivement, que toi, tu es revenu dans la position, vous la connaissez, la position d'un fils de Dieu. C'est-à-dire que la nature de fils de Dieu, comme Christ lui-même. C'est pour ça que nous sommes loin comme des petits messies. Est-ce que vous comprenez? Étant ramené à cette position-là, c'est-à-dire que, né de nouveau, maintenant, il faut que Dieu puisse t'équiper, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là que la nature de Dieu vient en toi. Mon frère et ma soeur, toi qui insultais les gens, c'est impossible que tu sois né de nouveau, que tu puisses garder la même nature. C'est pas possible, frère. Si je l'ai dit Bible à main, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même. Vous êtes des comédiens? Moi, je ne suis pas comédien. Non, monsieur. Je ne suis pas comédien. Vous jouez les jeux, moi je ne joue pas les jeux. Parce que ma vie en dépend, monsieur. Bien sûr, moi je ne vais pas manquer les ciels pour toi. Non, je ne vais pas te faire un copain pour me ramener dans le monde. Moi je ne vais pas manquer les ciels pour toi. Moi je vais aller au ciel. Parce que moi je sais ce que c'est et d'où moi j'ai été. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, mon frère et ma soeur,
jamais tu quitteras ton frère, jamais tu quitteras ta soeur, même s'il t'insulte, jamais tu répondras par les insultes. Si tu réponds encore par les insultes, reviens ici. Même en secret, même si à personne, tu peux venir me voir au bureau et dire, frère Léonard, j'ai un petit souci. Si tu peux prier pour moi, je serai avec toi dans mon bureau. Je prierai pour toi jusqu'à ce que tu sortes, que je me sens libre. Oui, cessez, arrêtez de jouer les jeux que vous voyez spirituels alors que vous n'êtes pas. Quand on est né de nouveau, on a des pensées toujours pures. On aime tellement Dieu dans son cœur que quand on regarde son frère, peu importe au frère, c'est-à-dire que, frère et soeur, si vraiment nous l'étions, nous, cet endroit, avec des dons comme ça, avec des cadets, mes frères, le feu, parce que ce que nous voyons, c'est encore un petit dimension que Dieu veut faire, c'est encore plus grand. Mais vous avez un problème. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas sincère. C'est pour ça que c'est avant. Frère, vous voulez voir le Saint-Esprit. Comment voulez-vous qu'il il vient? Mais votre nature ne le veut pas. Sortez simplement ici dehors. Vous devenez des quoi? Des crocodiles, des lions, ceci, cela. Et puis comment veux-tu que le Saint-Esprit soit dans un crocodile ou un lion? C'est pas possible. Frère, votre nature ne change pas. Malgré la parole est prêchée, prêchée, prêchée. Toujours pareil. Regardez, l'exemple ce soir, sortez, on va vous voir. Quand j'entends là-bas que ah, les frères se sont empoignés dehors, avec ceci, je dis, mais frère, pour un pneu, pour un tôle, je dis, je ne peux pas comprendre ça. Un frère ou une soeur peut se. Un époux, pour les poubelles, pour le bois. Frère, ma soeur, dans les cieux, on n'a pas besoin du bois. Amen, amen. Vous vous battez pourquoi? Pour des maisons, pour des ceci, mais tout ça, ce sont des briques et des pierres, ça va rester. Pour la nourriture, vous savez où ça va? Ton frère et ta soeur a plus de valeur que tout ce que tu peux avoir. L'argent, les voitures, le ceci, le cela. Je préfère, moi, avoir ma voiture, aider mon frère. Avoir ma maison, aider ma soeur. Avoir mes frères et soeurs, on doit être comme ça. Tous ceux qui sont de Dieu, leurs maisons sont ouvertes. Ceux qui sont de Dieu, leurs frigos sont ouverts. Nous devons être comme ça, parce que si tu n'es pas comme ça, tu n'as rien à voir avec la foi. Acte au chapitre 2. Nous allons nous lever pour prier. Acte au chapitre 2, levons-nous. Acte chapitre 2. Vous connaissez, non? Tous ceux qui avaient cru. Là, c'est 2, chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un même cœur, une même âme. Personne ne disait que ceci lui appartenait, ceci et cela. Non, ils mettaient tout en commun. Pourquoi mettaient-ils tout en commun, effectivement? C'est parce que moi, je suis sauvé. Lui, il est sauvé. C'est-à-dire que dans mon âme, je ne regarde pas lui, que lui soit comme moi je suis. Non, pas du tout. C'est moi qui s'occupe effectivement de ce qui se passe en moi. Et quand lui, il est sauvé aussi, il ne s'occupe pas de l'autre, effectivement, il s'occupe parce que Dieu veut qu'il fasse effectivement. À ce moment-là qu'on voit la vie de Christ au milieu de nous. Nous pouvons voir le Saint-Esprit. Il ne vient pas, mon frère, pas parce que Dieu ne baptise pas. Il est fait, frère. Mais c'est ton problème, c'est toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? C'est ça, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que toi, soeur, qu'est-ce que toi, frère, tu veux que Dieu fasse de toi aujourd'hui? Vous savez, si toi, tu penses déjà que tu es arrivé, tu n'as pas besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai toujours dit ici, ne lèvez jamais la main quand même je te pose la question pour faire plaisir. Ça ne me sert à rien. Pourquoi tu as levé la main pour que moi je voie ta main qu'il est croyant? Ça ne me sert à rien. Et vous levez votre main quand vous avez besoin et que vous sentez que, Seigneur, vraiment dans mon cœur, je suis touché. Et que j'ai besoin de quelque chose. Il me manque, moi, quelque chose à mon intérieur. Si vous êtes hypocrite, ne levez pas la main parce que vous voulez faire... Levez simplement la main quand vous dites, Seigneur, moi ici, j'ai vraiment besoin. Si vous le faites sincèrement et en sortant de cet endroit. Parce qu'en fait, le diable n'a plus de pouvoir. Ici, nous avons l'autorité suprême. C'est la parole que nous avons. Et c'est le Seigneur que nous possédons. Donc ce Seigneur-là, il est capable de faire de toi aujourd'hui ce que tu désires. Et qu'en sortant de cet endroit, mon frère et ma soeur, ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Alors, la question est de pouvoir savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Parce que les démons vous regardent. Les démons voient aussi. Est-ce que vraiment, il veut que je puisse m'en aller ou pas? Qui garde les démons? C'est vous. Si vous ne voulez pas de ces démons, il ne restera jamais avec vous. Mais c'est quand tu dis effectivement que je n'en veux plus, alors à ce moment-là, il va s'en aller. Alors nous allons fermer les yeux, frère.
Nous fermons nos yeux. La question est de pouvoir savoir qu'est-ce que vraiment tu veux que Dieu fasse pour toi. Ce qu'il avait demandé, poser la question à Bartimée, que veux-tu donc que je te fasse? C'est la question que le Seigneur a posée à Bartimée. C'est aussi la même question que le Seigneur pose ce soir. C'est vrai, toi mon frère, nous tous nous avons entendu. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, quelque part la parole a touché. Si tu n'as pas touché, c'est autre chose, mais quelque part ça doit toucher quand même. On a pris conscience de quelque chose. Et quand on s'est regardé à l'intérieur, on dit, mais Seigneur, tu as pointé vraiment quelque chose qui était vraiment dans mon cœur. Si Dieu l'a pointé, c'est qu'il veut l'enlever. Amen. C'est parce qu'il veut réellement coordonner ta vie, en fait, pour qu'elle soit comme lui le veut. Et en fait, il va le faire avec celui qui accepterait. Maintenant, si tu as ce désir dans ton cœur pour que Dieu fasse... Et surtout, ce qu'un croyant reçoit, c'est toujours par la foi. Il ne faut pas attendre que, oui, j'ai senti une sensation, quelque chose est rentré à toucher dans mes bras, dans mon corps, là j'ai tremblé. Tu peux trembler, mais l'important, ce n'est pas ça, mais ta foi à toi, c'est le croire que si on prie pour moi aujourd'hui, Seigneur, je veux tout abandonner en fait, et que je serai simplement comme toi tu veux. Est-ce que tu le crois? Amen. Je ne sais pas, ma soeur, si tu es malade, mon frère, ou ma soeur, je ne sais pas de quoi cela peut être effectivement pour toi. La question n'est pas de pouvoir sentir que j'ai senti la puissance qui est venue. Et vous allez la sentir, certainement, c'est vrai. Mais c'est surtout la foi que tu as. Il a dit, crois-tu cela? C'est question de croire. Parce que si tu le crois, c'est réglé. Même si tu n'as rien senti, mais c'est réglé. C'est question de pouvoir que toi, tu crois. Ça s'est manifeste parce que tu n'as pas que... Mais si tu crois après qu'on ait prié, eh bien, c'est sûr et certain que Dieu va l'accomplir. Si tu as vraiment un besoin dans ton cœur, tu veux que Dieu fasse quelque chose, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le fera. Si ta foi s'accroche aujourd'hui à la prière que nous allons faire monter devant le Seigneur, c'est sûr et certain. Peu importe si c'est un problème de mariage, c'est un problème de ton foyer, c'est un problème, je ne sais pas moi, qui te préoccupe le plus. Mais j'ai confiance que le Seigneur, c'est aussi un jour de prière, confiance que le Seigneur, notre Dieu, va l'accorder. Alors nous avons nos yeux fermés, c'est pour que personne ne regarde que celui-ci a levé sa main. Nous avons nos yeux fermés. Toi qui veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, lève simplement ta main vers le ciel. Le Seigneur qui voit le cœur, qui sonde les reins, comme nous l'avons entendu avec Caïn et Abel, il s'est réellement récompensé. C'est lui qui est sincère dans son cœur. La main vers le ciel montre que le Seigneur, moi ici, je ne veux pas arriver à pouvoir demeurer comme je suis. Je vais être comme toi tu veux. Lève ta main mon frère, lève ta main ma soeur. Nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, je me tiens ici en cet endroit avec l'autorité de ta parole. Je le crois, mon Sauveur. Je sais que tu es vraiment présent. Je sais que tu es vraiment vivant. Nous l'avons entendu, mon bien-aimé Père Saint. Nous l'avons aussi réalisé, mon bien-aimé Père oh Dieu, que tu es toujours le Dieu de ta parole. Mon âme te loue parce que tu es vraiment présent, Père. Parce que quand tu parles, mon bien-aimé Père Tissant, tu es aussi le Dieu aussi qui agit aussi, Père. Voici donc les mains qui sont levées. Père, nous l'avons entendu, il faut que derrière la main soit la sincérité, Père oh Dieu. Un désir vraiment vrai. Parce que quand c'est vrai, Père, tu accomplis sans faute. Parce que tu es le Dieu de ta parole. Je le crois 100%, mon roi. Si derrière la main, il y a la sincérité, Père. Oh Dieu, mon frère qui a levé la main. Ma soeur qui a levé la main, Père du puissant. La requête qui a levé la main, que ce soit accordé au nom de Jésus-Christ. Père, que mon frère reçoive. Que ma soeur reçoive. Là où Satan avait pris possession de mon frère. Satan, aujourd'hui, je te chasse là. Au nom de Jésus-Christ. Père. Que mon frère et ma soeur, Père Saint, qui a levé la main, Père Tubissant, tu as vu le souci dans son âme. Oh Dieu, que ce soit ôté, Père Tubissant, afin qu'il le reçoive, Père Tubissant, Dieu, selon ta volonté à toi et les désirs. Ce que toi tu veux, c'est que ton peuple soit saint. Qu'il soit aussi rempli de toi, mon bien-aimé, Père Tubissant, que sa vie soit une vie comme un parfum de bonne odeur devant toi. Parce que tu es le Dieu qui nous connaît, Père. J'implore ta grâce, mon roi, aussi pour le jeune, mon bien-aimé, Père oh Dieu. Tu vois leur état aujourd'hui, Père Tibissant, la pression, Père Tibissant, dans les écoles extérieures, le monde oppresse, mon roi.
Oh Dieu, tu le vois, mais n'est pas puissant. Et le désir même pas de voir, pas conforme à ce monde, pas jamais. Et conforme à ta volonté, à ta n'est pas puissant. J'implore ta grâce, mon roi. Ils ont sans force, mon n'est pas jamais. La force vient de toi, mon n'est pas puissant. Encore la grâce, mon bénévole Père, oh Dieu. Oh Dieu, ce sont des témoignages. Dans ce monde, mon bénévole Père, oh Dieu. Souviens-toi de mon bénévole Père. De chaque frère et de chaque sœur encore ce soir. Et ceux qui sont aussi. Jésus aussi à la maison, dans chaque lieu, qui sont, bénémoine Père Tubissant, qui ont aussi élevé leurs mains, mon bénémoine Père. Mon Dieu, j'élève ma main vers le ciel, mon bénémoine Père Tubissant, implora aussi ta grâce, mon roi. Ce peuple pour qui je prie, mon bénémoine Père Tubissant, je te demande la grâce, mon Père, qu'ils reçoivent le pardon, mon bénémoine Père Tubissant, qu'ils soient un peuple uni pour ta parole. Je t'en supplie, c'est mon désir, mon roi, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle, mon bénémoine Père Tubissant, que dans ces lieux, mon bénémoine Père, que ton peuple soit aussi un témoignage, mon bénémoine Père Dieu, pour ceux qui sont à l'extérieur, mon bénémoine Père, que leur vie soit des vies, mon bénémoine Père, qui insistent dans la vie à toi, mon bénémoine Père Dieu, afin qu'ils soient aussi des perles sur cette terre. Père Tubissant, parce que tu es vraiment le Dieu vivant, tu es capable de voir les faire, mon roi, que tu nous donnes la guérison encore davantage, mon roi. Souviens-toi de chacun. Père, nous voulons sortir dans cet endroit, la parole rétentant dans notre cœur, Seigneur. Nous voulons plus être comme nous étions auparavant. Nous voulons encore plus de toi, mon bénévole Père Tubissant. Oh Dieu, que les commérages puissent cesser, bénévole Père Dieu. Père Tubissant, que les mauvaises langues puissent cesser, mon Père Tubissant. Mais c'est les témoins de l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel, Père, que nos langues puissent avoir été appréciées et te glorifier comme nous le sentons, Père Tubissant. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Que tu ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Mon grand, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, Dieu te bénisse. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible.